Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va s'ouvrir 4 boosters Wakfu Chaos d'Ogrest. Alors c'est des boosters que j'ai depuis un petit moment déjà, que j'avais eu 8 greniers du geek, pas celui-là, mais pas le dernier qui est passé, mais l'édition d'avant. Je sais plus du tout quand c'était, mais ça fait quand même un petit moment que je les ai. On les avait trouvés pour 50 centimes pièce. Et je me suis dit que ce serait pas mal de découvrir ça avec vous. J'en avais ouvert quelques boosters, moi personnellement, de mon côté. Donc c'est parti, on va en ouvrir. Et après, quand je les aurai tous ouverts, mes boosters, j'en ai encore plein d'ailleurs, je les rangerai dans un classeur. Et comme ça, je pourrai voir celles que j'ai ou pas. Parce que c'est vrai que je suis une très grande fan de Wakfu et de Dofus. Donc c'est parti. Hop. Alors je sais pas du tout s'il y a une manip à faire pour avoir la rare et quelle est la rare ou pas. Donc on va découvrir comme ça. Ça c'est une carte de loterie. Je ne sais absolument pas ce que c'est. D'ailleurs mes cartes sont à l'envers. Voilà. Alors on commence avec la Corba Cap Mastralis. Ok. Bah, la cape en corbeau, la Corba Cap. Donc qui est un habit dans Dofus et Wakfu. Hein. Donc là, c'est une armure. Alors, ensuite, c'est une perso. Ok. Et c'est quoi une alliée? C'est quoi comme classe? Je sais pas. Nami fait la belle. Oui, c'est très très drôle comme nom. Donc, je vois pas trop. Attendez que je regarde. Non, c'est juste une alliée. Il n'y a pas de classe particulière. Ok. Amulette cristalline. Ouh, elle est très jolie. Donc encore un truc de panoplie. Bouclier de Fekka. Ah, ben voilà, ça c'est un sortilège. Ok, donc voilà les Fekka. À l'envers, bien entendu. Sandy sans le beurre. Ok, c'est une alliée Eniripsa. Ouais, les jeux de mots sont très très drôles. Everett, ok. Ali et Kaflip, marchande. Oh non, ça me fait penser à la marchande conne là, dans l'animé Wakfu dans la saison 1. Un petit piou rouge, qui est très très mignon aussi. Ménage de printemps, une action. Détruisez l'équipement de votre choix, ok. C'est Poulpi, c'est le poulpe dans l'animé. Ouais, je connais lui, le poulpe, il est bien, il est marrant. Malibu. Drôle. Allez, Pandawa, agilité. Ok. Oh, le serpiplume, c'est un monstre, ça. Voilà, monstre reptile. Oh, ça va, il n'est pas très fort celui-là. Ratou. Mmh. Allez, monstre rat. Agilité aussi, et bah, finesse. Mike Vendetta, allié Yop, Mike, okay. L'allié gagne plus 2 en force, ok, Fantomate, allié bandit fantôme, ok. Donc alors la rare ici, la rareté. Je sais pas du tout comment on reconnaît la rareté ou pas d'une carte. Alors je sais pas du tout s'il y a des raretés aux cartes. S'il y a des personnes qui connaissent un petit peu ça, les boosters Wakfu, n'hésitez pas à me dire comment on reconnaît la rareté. Et déjà s'il y a une rareté. Bon, de toute façon, je ne vais pas garder le booster vide. J'en ai pas besoin. La loterie. Ouh, bah, il y a déjà une brillante. Je crois que c'est directement la première qu'on a, la rare. Donc là, c'était... Ah, c'était la cape. Je vois rien de plus, en fait. Hop. Alors, du coup, si c'est vraiment la première qu'on a, la rare... Ça, c'est un allié sacrière.
Balk Mambo. Ok. Chevalier de Montmirail. Un allié. Ok. Un allié simple, il n'a pas de classe. Ah, les doigts des Nutrophes. Ok. Donc là, c'est un sort, encore une fois, pour les Énutrophes. Cœur de Yop, encore un sort pour les Yop. Oh, le Craméléon, il est tellement mignon celui-là. J'adore. Mylène Frimer. Allié Zobal. C'était tellement nul. Oh là là. Michelangela, je crois que ça se dit comme ça. Allié monstre tortue. Ok. Encore un monstre. Meupette. Mon savon. Allié Féca. Ah, l'humour de Dofus et de Wakfu. C'est un humour unique en son genre. Oh, le Bulbiflore. J'adore ce monstre, il est trop mignon. C'est un monstre des Pandawa, d'ailleurs. Un allié Sadida. Inox. Inox. Ah non, mais c'est trop marrant ces noms, franchement. Un petit Pieuvert. Ouais. Et. Ah, le maître vampire, ça me fait penser à Vampiro dans l'animé. Et. Oh, une croquis mature, boueuse. Ok. Bon, bah voilà. Alors là, okay. Ah, 6, 3, 4. Je sais pas du tout à quoi correspondent ces chiffres. Allez, il nous reste deux boosters à ouvrir. Ah, dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez Dofus et Wakfu. Est-ce que vous aussi vous jouez? Ça m'intéresse. Alors, on commence ce booster avec un chouchou. Un vilain chouchou. Alors, lui, il s'appelle Bidoua. Ok. Je ne le connais pas du tout. Merci, bisous. Action. Ok. Ah, l'ombre de Sram. Bien. Un sort Sram. Ok. Bot Harry. Ouais. Encore à l'envers, ils mettent les boosters dans tous les sens. Encore le Bulbiflore de tout à l'heure. Moi, celle-là, je sais qu'on l'a eu. Encore le Féca Mon Savon. Encore le Sadida Inox. Ah, encore le Pieuvert. Booster et pas en cacahuète là, ça suffit. Voilà. Donc encore le Pieuvert qu'on a déjà vu. Encore un Pieuvert, décidément. Ah, encore la croquis mature boueuse. Et bah c'est un booster qu'on a déjà vu. Ah, enfin une nouveauté. Ceinture forcesque. Alors je sais pas si ce mot existe vraiment. Mais forcesque, c'est vraiment un mot bizarre. Coupe, coupe. Ok, donc c'est une épée. Ouais, je sais même pas si elle existe dans le jeu, celle-là, ça me dit rien. Et encore là, une tortue, mais c'est Raffaella. Il a l'air plutôt d'un mec, pourquoi Raffaella? Je vais plutôt dire Raphaël. Ah, bah non, il y en a encore une derrière, mais cette fois à l'envers. Ogrest au zénith. Oh, c'est Ogrest. Wow, il est énorme. Et c'est une action. Ok. Voilà, alors le dernier booster, cette fois espérons avoir des cartes que je n'ai pas parce qu'avoir des doubles, c'est pas trop voilà ce que je cherche. Hop, là le tri, je l'enlève. Ouh, ben ouais, je crois que la rare, s'il y a une rare, c'est direct la première parce que là elle brille, celle-là. Nex romancier, allié au Samodas. Ok. Crackleur. Ah, un monstre crackleur. Ok. Oh, une Métaria de mage bleu. Très très bien. Ça, c'est des objets dans le jeu Dofus avec lesquels on peut fabriquer des potions.
quand on en a 5. Rib. Ah oui, c'est un monstre. C'est un monstre d'échafaire, un monstre d'os tout en os. Un squelette monstre, il est super. Chiant aussi. Chapeau du mineur sombre. À l'envers. Ah, Tony Booker. Un allié au Samodas. Tommy Booker, oui, c'est ça. Raphaëlla, encore notre chère amie la tortue. Théo Max. Ali Enirypsa. Ah, les jeux de mots. Hypersensible. Ah là là, Ali Sacrière. Ok. Alors, un monstre. Le Cascargo. Ok. Lilikea. Ali Enirypsa. Encore. Il y a beaucoup d'Enirypsa, je trouve, dis donc. Annie Coletta. Oh. Allié Kra. Enfin, une Kra, c'est pas trop tôt. Moi, j'adore les Kra, mais par contre, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle a une tête vraiment, vraiment bizarre. Un piou bleu. Ouais. Pour changer du piou vert. Hein. Attaque frontale. Une action de Yop, comme on peut le voir sur l'image. Et c'est la dernière. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que de temps en temps je fasse des ouvertures comme ça. Parce que je ne sais absolument pas si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire. Alors je vois que de toute façon vous avez vu tous les codes, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça sert peut-être dans le jeu d'Ophus. Donc moi je ne ferai pas la loterie. Donc prenez les codes, mettez en pause et prenez les codes. Voilà, ceux qui jouent à Dofus, je vous les donne. Voilà, donc ça c'est pour vous. Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas le petit j'aime si cette vidéo vous a plu, sinon ça peut me permettre de savoir si vous avez aimé la vidéo. Voilà, on va faire ça. Si vous avez vraiment aimé ce concept, mettez un petit pouce bleu. Voilà, comme ça me permettra de savoir si ça vous a plu ou pas. Je vous dis du coup à demain matin pour une autre ouverture du calendrier de l'Avent ainsi que chaque matin jusqu'au 25 décembre. Sinon on se retrouve samedi pour la suite de Lego Harry Potter. Ne manquez rien. Salut !